aujourd'hui, on est super heureuse de revenir vous jaser, d'autant plus que la belle saison du terroir et des saveurs au Québec est commencée. Et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour vous faire découvrir des adresses vraiment chouettes à visiter, mais surtout de vous présenter notre nouvelle série de capsules testées pour vous. Oui, et aujourd'hui, pour célébrer l'été, on a décidé de tester le nouveau cidre tranquille, la cuvée 525 bio des vergers La France, située à Saint-Joseph-du-Lac dans les Laurentides. Ici, ce cidre est délicieux en apéro ou accompagné d'un plat ou de fromage. On a décidé de le tester aujourd'hui avec le tonnelet, qui est un cidre apéritif, ainsi que leur jus de pomme pétillant. Parce que j'adore les shakers et les cocktails! Oui, mais Diane, je pense que tu n'en auras même pas besoin parce que c'est vraiment simple. On va se préparer un Old 525 avec des verres franchement old fashion. Mix simplicité et fashion vendu. De toute façon, les shakers, c'est trop cool. En passant, si c'est la première fois que vous nous voyez dans une capsule testée pour vous, eh bien, vous verrez défiler en photo notre test et à la fin, on vous revient avec une note du genre « ça goûte bon, on a adoré », etc. C'est parti? C'est parti! Parfait pour l'été. Wow! Sensation de croquer dans une belle pomme pétillante. C'est maintenant à votre tour d'essayer. Notez que la cuvée 525 est en vente dans plusieurs supermarchés et détaillants. Concernant le tonnelet, il est en vente à la SAQ. Visitez leur site internet pour avoir plus de détails. Et aussi, sur le blog de Terroir et Saveurs, vous pouvez consulter le billet de Julie Aubé, notre collaboratrice gourmande sur la route, qui saura vous convaincre d'aller faire un tour à cette cidrerie. D'autant plus que leur magnifique domaine possède une boutique et une pâtisserie. S'ils ont les beignets décadents aux pommes. Wow! Sur ce, à la prochaine!